Vous voyez, hein, ça commence à bien tirer. Hein, donc il faut être très rapide en fait pour surtout pas qu'il vous tire trop dessus. Eh bien, salut à tous. Nous voici dans Power Force. Regardez-moi ces armes. Alors voilà, Power Force, c'est un jeu où vous allez tirer sur des aliens. Ce jeu est gratuit. Ici, sur votre gauche, vous pouvez améliorer chacune de vos armes. Vous avez trois niveaux et je vais tout de suite vous montrer comment ça fonctionne. Je prends le mode avancé. Voilà, nous sommes dans l'espace. Et il y a des ennemis qui apparaissent, comme vous voyez, et il faut les détruire. Ils vous tirent dessus. Alors, faut bien sûr pas leur laisser le temps de vous tirer dessus. Au début, c'est assez simple et ça se complique petit à petit. Voilà ma première victoire. Alors moi, ça, c'est les armes que je préfère. Ensuite, chaque fois que vous remportez un tour, vous avez la possibilité de modifier certains réglages. Par exemple, là, je vais choisir de causer 240 dommages de plus à chaque fois à mes ennemis, ce qui est quand même vachement intéressant. Je passe au niveau 2 et je vais changer d'arme. Je vais choisir celui-ci. C'est pas mal. Allez, on tire. Allez, 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 il faut y aller, hein. Alors, c'est pas mon arme favorite, celle que j'ai à droite. C'est vraiment, moi, ce que je préfère, c'est vraiment les pistolets. Alors, voilà, vous devez vous déplacer et éviter, bien sûr, hein, les différents tirs. Écoutez, je vais prendre une autre arme pour vous montrer. Prendre celle-là. Celle-là, je l'aime beaucoup. Vous allez voir. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Allez, je vais choisir 10% de plus de rapidité au niveau de mes armes. Regardez sur ma droite, poum, 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 une sorte de canon scié et ça fait pas mal d'effet. Vous voyez, vous avez même en bas, regardez en bas, il y en a même qui apparaissent, donc il faut leur tirer dessus. Voilà. Et le jeu, c'est ça, ne pas se faire toucher, éviter les lasers. Vous voyez, hein, ça commence à bien tirer, hein, donc il faut être très rapide en fait pour surtout pas qu'ils vous tirent trop dessus. La musique est assez sympa, elle n'est pas trop prise de tête. Et le but du jeu, ben écoutez, hein, c'est d'essayer d'atteindre le boss final, qui est quand même assez costaud. Hein. C'est un énorme vaisseau spatial, et il y a des boss intermédiaires aussi. Allez, je continue avec beaucoup de dommages pour mes adversaires. Je vais changer d'arme, je vais prendre un... Ouh, regardez-moi ça, un beau missile. Voilà. Ah, vous voyez, hein, c'est, faut aller. Moi, personnellement, je bouge de droite à gauche. Il faut se baisser un peu pour éviter. Je vais reprendre quand même mon pistolet parce que j'aime beaucoup avoir mes pistolets. Voilà. Je trouve les pistolets beaucoup plus rapides et beaucoup plus précis. Voilà, hein, le jeu, c'est ça. Vous voyez, quand ça explose, ça fait assez bande dessinée. Hein. Et donc, c'est un petit jeu qui ressemble à Space Trainer. Je sais pas si vous l'avez déjà joué, cette démo, mais bon, il y a un petit peu de ça. Voilà. Et donc vous continuez et vous pouvez à chaque fois changer certaines, pour chaque tour, optimiser ou faire des choses. Par exemple, vous voyez, si je choisis là je vais gagner 300 points de vie. Là, ceci, ça abaisse de 50% ma vie en échange de 30% de dommages en plus. Et celui-ci, ça fait 20% sur je ne sais pas quoi, quelque chose critique. Bien sûr, c'est en anglais, mais bon, on arrive à comprendre rapidement. Ben voilà, écoutez, il n'y a pas grand-chose d'autre à savoir. Ça s'appelle Power Force. Ça fait bouger un petit peu, c'est vachement sympa. Puis écoutez, c'est gratuit. Hein. Allez, je me fais pas plus long. Et puis, je vous dis ciao.